Un pas de côté à l'APM, c'est d'être capable à une convention à Nantes l'année dernière de faire intervenir la première femme rabbine de France et en même temps un jeune homme de 16 ans déscolarisé, très talentueux. Le pas de côté que me permet l'APM est de retrouver chaque mois, lors de journées conviviales, un véritable havre de ressourcement et d'inspiration. C'est également un moyen de prendre du recul sur les défis de la gestion quotidienne de l'entreprise au sein d'un espace unique pour l'apprentissage et la réflexion. Pour moi, déjà, l'APM, c'est un pas de côté permanent. C'est un florilège de ressources, une explosion d'experts talentueux, un feu d'artifice de gens bien, auprès desquels je fais mon marché depuis une petite quinzaine d'années, je crois. Tout cela pour être un guide plus ouvert, un guide plus tolérant, plus innovant, plus à l'écoute, et pour sortir de la solitude du dirigeant, en me nourrissant finalement des différences, et tout cela pour conserver ma joie d'être au monde.